Bonjour Harry. Bonjour Stéphane. Il y a du nouveau ? Non, la nuit a été calme. Pas de mort suspecte. Mmh. Je crois que j'ai bien besoin d'un café. Tu peux me donner le programme d'aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Nous avons deux interrogatoires. Non, en dehors de ça, j'ai quelque chose qui va sûrement t'intéresser. Est-ce que tu te souviens encore de l'affaire Bruns ? Bruns ? Bruns ? Oui, c'était il y a 10 ans, cette affaire de l'attaque d'un transport de fonds. Maman, s'il te plaît. Ah oui, maintenant je me souviens très bien. Quelqu'un avait simulé un accident, mis le feu à une voiture et avait bloqué l'accès à une rue en installant des barrières de sécurité. Un faux policier s'est alors avancé, il a arrêté le fourgon blindé. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Les deux convoyeurs ont été immédiatement abattus. Oui, par l'homme déguisé en policier. L'affaire s'est déroulée en moins d'une minute. Et sans témoin. En tout cas, personne qui puisse décrire très clairement les coupables. Tout ce que nous savions, c'est qu'il y avait 3 agresseurs. 2 masqués et 1/3 en uniforme de policier. Et 2 victimes. Ainsi qu'un transporteur de fonds aux prises avec les assurances et un directeur de banque qui déplorait la perte de 2 millions de marques. Nous n'avions aucune piste utilisable, jusqu'au jour où nous avons reçu cet appel. Et tu t'es arrangé pour retrouver l'enregistrement de cet appel, tous mes compliments. Oui, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de le réécouter ensemble. Allô ? Oui, bureau de l'inspecteur Derrick, j'écoute. Allez, vas-y, parle. Ah oui, mais c'est bon, une seconde. Qui est à l'appareil ? Je suis bien à la police criminelle. Oui, vous êtes à la police criminelle. J'appelle pour vous donner une information concernant l'attaque du transport de fonds et la mort des 2 employés. S'il pose trop de questions, tu raccroches. Vous voulez faire une déposition ? Pas question. Allô, puis-je savoir qui est à l'appareil ? Si vous ne m'écoutez pas, je dois raccrocher. Vas-y. Non, raccrochez pas, je vous écoute. Vas-y, allez. Bon, très bien. Je vais vous donner un nom et une adresse. Le nom, c'est Bruns. Lothar Bruns. Dépêche. Katharine Weg au 16, rez-de-chaussée. Et qui est cet homme ? Mais qu'est-ce qui se passe, Harry ? Il y a des choses intéressantes. Pourquoi doit-on écouter ça 10 ans après cette affaire ? Maintenant, c'est un dossier classé. Je vais te le dire. Mais souviens-toi bien, Stéphane, nous avions un nom et une adresse. Qui est là ? Police, ouvrez cette porte ! Chez lui, nous avons trouvé un uniforme de policier, ainsi que l'arme qui avait tué les 2 convoyeurs de fond. Nous avions réussi à en coincer un, et nous pensions avoir les autres sans problème. Oui, je m'en souviens très bien. Alors, nous avons décidé de faire écouter l'enregistrement à Bruns. Allô ? Le nom, c'est Bruns. Lothar Bruns. Dépêche ! Katharine Neweg, au 16, rez-de-chaussée. Je pense que vous vous rendez compte que vos amis vous ont trahi. C'est eux qui nous ont appelés pour vous dénoncer. Et la raison pour laquelle ils l'ont fait est vraiment très simple. Ils ne voulaient pas partager l'argent avec vous. Et ils voulaient vous envoyer derrière les barreaux jusqu'à la fin de vos jours. C'est facile à comprendre. Alors, il nous a donné leur nom. Et nous avons arrêté ces 2 hommes.
Et qu'est-ce que ça a changé? Ils avaient de merveilleux alibis, ils avaient de merveilleux avocats, nous n'avons pas pu faire grand-chose. Et ils ont été relâchés. C'était un coup bien calculé, ces gars-là avaient tout prévu depuis longtemps. Bones a été condamné à la prison à perpétuité. Et maintenant, dis-moi, pourquoi nous reparlons de cette affaire? Bones vient d'être relâché. Quoi déjà? Il n'a tiré que 10 ans? Oui, pour raison médicale. Il est malade? Oui, il a perdu la vue. Il est presque aveugle, suite à une maladie qui a considérablement diminué son acuité visuelle. C'est une nouvelle très intéressante. Il n'a pas de famille, n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant non plus, et on lâche cet homme dans la nature. Il n'a qu'une solution pour trouver de l'aide, aller voir ses amis, ses vieux amis. Oui, je suppose que Bones doit se souvenir de ses vieux amis d'autrefois. Seulement, il doit être très embarrassé. D'un côté, il doit renouer le contact s'il veut de l'aide, et d'un autre côté, il doit rêver de les supprimer. Il a déjà été relâché? Pas encore, dans quelques jours. Je dois lui parler. Non, ne me touchez pas. Bon, bon. Bonjour, monsieur Bones. Bonjour, monsieur Derrick. On vous a sûrement dit de quoi je souffrais. Votre visage n'est pour moi qu'une tache noire. J'arrive à vous distinguer un peu lorsque je tourne la tête sur le côté. À présent, je vois votre visage, juste à côté de la tache noire, mais je ne le vois pas distinctement. Vous vous attendiez à me voir? Oui, on va me relâcher. Durant ces 10 années, j'ai réfléchi à un tas de choses et j'ai aussi pensé à vous. Au fait que nous avons des intérêts communs. Ah, vous croyez? Votre affaire, qui est aussi mon affaire, n'a pas encore été totalement réglée. Ni pour vous, ni pour moi. Je suppose que vous voyez ici une chance d'y mettre un point final. Tout comme moi, je vois l'opportunité d'enterrer cette affaire à tout jamais au fond de ma tête. Aussi, je voulais vous dire de ne pas vous occuper de moi. Laissez-moi tranquille. Je vous saurai gré d'éviter de me suivre à la trace. Je me demande ce qu'il a essayé de vous faire comprendre. Veut-il vous rendre complice de son crime? Oui, on pourrait le comprendre de cette façon. En effet, d'ailleurs, il le pense peut-être vraiment. Quand comptez-vous le relâcher? Vous avez trouvé le logement qu'il vous a demandé? Un 3 pièces en rez-de-chaussée avec un jardin et un arbre au milieu. Dans 2 ou 3 jours, il l'aura emménagé. Vous voulez son adresse? Oui, donnez-la-moi, s'il vous plaît, j'en aurai besoin. Dites-moi, est-ce qu'il va réussir à se débrouiller tout seul, je veux dire au quotidien? Je lui cherche une aide ménagère. Nous avons passé des annonces pour lui. Voyons. Voilà son adresse. Et voilà le journal avec l'annonce. Tu sais ce que ça veut dire? Il veut tuer les 2 autres. Mon affaire, votre affaire, c'est une affaire commune. Qu'est-ce que tu en penses? Faut-il le prendre au sérieux? Il a tué sans scrupule les 2 convoyeurs il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il a de bonnes raisons de tuer à nouveau. Oui, maintenant, il n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il n'a plus grand-chose à attendre de la vie. C'est comme ça, tu sais. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais à sa place et que tu n'aies plus grand-chose à perdre? Tu réglerais tes comptes. Alors? Il t'a bien dit que tu ne devais pas le suivre à la trace. Mmh. Il a passé l'annonce dans le journal pour trouver une aide ménagère. Mmh. Ne pourrions-nous pas lui trouver nous-mêmes l'aide ménagère dont il a besoin? Bones doit se douter que nous sommes au courant pour l'annonce du journal. Et tu veux lui envoyer quelqu'un de chez nous? Non, ce serait trop risqué.
Tu as peut-être raison. D'après l'énoncé de l'annonce, il cherche une femme. Il faudrait une femme policier avec laquelle nous pourrions rester en liaison, mais il nous faut une femme policier qui ne ressemble pas du tout à une femme policier. Gabriel! Qui me demande? Le commissariat. Allô? Bonjour, vous êtes Gabriel Dressler? Je suis Harry Klein, de la brigade criminelle. C'est au sujet d'une mission que nous aimerions vous confier. Je crois que vous avez terminé votre entraînement. Je peux être chez vous dans une demi-heure, si vous êtes d'accord. Oui, c'est entendu, je vous attends. Bien, à plus tard. Pourquoi avez-vous pensé à moi? J'ai lu votre dossier, j'ai vu votre photo, j'ai pu voir les appréciations. Dès cet instant, je me suis dit que vous seriez à la hauteur. Bien entendu, vous pouvez consulter le dossier concernant cette affaire. Il est à votre disposition. Cet homme a été relâché suite à une maladie qui a entraîné un handicap. Cet homme est quasiment aveugle. Vous avez le droit de refuser. C'est vous seul qui pouvez décider. Stéphane, voici Gabrielle Dressler. Elle a obtenu de très bonnes notes pour son esprit de décision et pour ses facultés de compréhension. Je suppose que vous avez des questions. Oui. Je dois donc appeler Monsieur Bruns, lui dire que je suis intéressée par son annonce. Et je dois me présenter sous quel nom? Utilisez le vôtre. J'ai lu dans votre dossier que vous aviez fait 2 ans d'histoire de l'art. Donc, vous pouvez vous présenter à lui en disant que vous êtes tout simplement étudiante. Mais va-t-il me croire? Non. Il va se douter que vous êtes de la police, alors s'il vous le demande directement, n'essayez pas de nier, ça ne servirait à rien. Ensuite, prenez congé de lui et quittez immédiatement la maison. Ce qui nous intéresse, c'est sa réaction, et c'est pour ça que nous vous envoyons chez lui. N'ayez crainte, nous assurons votre sécurité. L'inspecteur Klein va vous expliquer le déroulement de votre mission. Maintenant, donnez-moi les clés et disparaissez. Bien sûr, monsieur. Ah, vous avez de la visite. Oui, je vois bien que j'ai de la visite, c'est bon. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Je ne sais pas si je suis à la bonne adresse, je viens pour l'annonce. Le nom de la rue et le numéro correspondent, vous êtes Monsieur Bruns? Oui, je suis Monsieur Bruns. J'arrive peut-être un peu trop tôt. Je peux revenir plus tard, à moins que la place soit déjà prise. Non, je n'ai encore trouvé personne. Vous pouvez entrer. Y a-t-il des marches? Oui, juste devant la porte. C'est exactement ce que vous recherchiez. Les pièces principales sont au rez-de-chaussée et il y a 2 chambres là-haut, mais vous n'en aurez pas besoin. Vous pourrez voir? Oui, je vois très bien autour de moi. Pouvez-vous ouvrir les rideaux? Je vais m'en occuper. Le propriétaire est parti vivre à l'étranger. Il a tout laissé. Oui, enfin, presque tout. Il a seulement emporté les tableaux. Les cadres sont restés dans la cave. Vous pourrez les utiliser si vous voulez accrocher quelques tableaux. Je vous promets d'y penser s'il me prend l'envie d'accrocher des tableaux au mur. Posez les clés sur la table et laissez-moi tranquille. Mais je dois vous expliquer 2 ou 3 choses. Vous voyez bien que je ne suis pas seul. Cette jeune femme pourra m'aider à visiter. J'ai également un papier à vous faire signer. Alors posez-le aussi sur la table. J'ai besoin de votre signature tout de suite. Il s'agit du contrat de location et je suis tenu de repartir d'ici avec l'original. Où est-ce que je dois signer? Peut-être avez-vous envie de lire les clauses auparavant? Non. Vous avez un stylo? Oui. Vous pouvez me dire où je dois signer? Allez, dépêchez-vous. Là, juste à côté de la croix. Vous pouvez y aller. Je vous remercie. Bien, à présent, je vais me retirer. Je vous souhaite un bon séjour. Alors, au revoir. Quel est votre nom? Gabrielle Dressler. Vous avez une carte d'identité? Vous avez sans doute compris que je souffrais d'un handicap. Mais avec quelques efforts, je peux arriver à lire à l'aide d'un appareil spécial. Seulement, il est dans mes bagages et je ne les ai pas encore reçus. Que faites-vous dans la vie?
Je suis étudiante en histoire de l'art. Et vous voulez travailler chez moi? Vous comptez abandonner vos études? Non. En fait, je ne pourrai pas être à votre disposition toute la journée. Le tout est de savoir si vous serez d'accord pour que je m'absente de temps en temps. Vous cherchez peut-être une personne qui soit là 24 heures sur 24? Mais pourquoi faire? Quelle idée effrayante d'avoir quelqu'un ici en permanence. Je vais vous prendre à l'essai. Faites-moi visiter les lieux. D'abord la cuisine. Non. On m'a promis un beau jardin. Il est de ce côté. Comment ouvre-t-on la porte? En soulevant la poignée. Ah oui, très bien. Il est très clair. Terriblement clair. Ça gênerait presque mon champ de vision. Il y a une marche? Oui, je vais vous aider. Vous n'avez pas peur de me toucher? Non. C'est quoi cet arbre? C'est un pommier. Elle tenait à avoir un jardin avec un arbre au milieu. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Il est resté 10 ans sans en voir. Est-ce qu'il vous a dit qu'il venait de faire 10 ans de prison pour meurtre? Non, mais ça n'a pas eu l'air de lui poser de problème. Est-ce qu'il vous a cru quand vous avez dit que vous étiez étudiante? Oui, et ça avait l'air de l'intéresser. Il m'a posé des tas de questions auxquelles, heureusement, j'ai pu répondre. Il vous a parlé de son handicap, qu'est-ce qu'il vous en a dit? Il m'a dit tout ce que je vois à un tour, mais pas de milieu. C'est une phrase très originale. Il y a des gens qui n'ont pas de maladie et qui, eux non plus, ne voient pas le cœur des choses. Vous avez réussi à vous mettre d'accord avec lui? Je lui ai précisé que je ne voulais rater aucun de mes cours, ce qui veut dire que je viendrai travailler 2 heures chaque matin et l'après-midi, il pourra disposer de moi à temps complet. Il a été d'accord. Il veut rendre visite à quelques amis, seulement il ne peut pas conduire. Bien entendu, il a besoin que je l'accompagne. Il veut rendre visite à des amis. Je crois que nous devrions peut-être vous montrer quelque chose. Naturellement, Harry et moi, nous connaissons les deux hommes avec qui il était ami autrefois. Bon voilà, je vous présente Karel Labeck. Je vous demande de vous souvenir de ce visage. Le suivant, s'il vous plaît. Et voici son frère, Malke Labeck. Alors, ce sont les hommes qui ont trahi Bruns et qui l'ont envoyé en prison? Oui, en effet, ce sont eux. Où sont-ils? Ils vivent ici, à Munich. Ils ont des bars qui marchent très bien. Et les 2 millions, ils les ont... Nous ne les avons jamais retrouvés. Est-ce que Bruns sait où vous vivez? Je lui ai donné mon adresse. Il a votre numéro de téléphone? Oui, il veut pouvoir m'appeler quand il a besoin de moi. Mon répondeur est branché en permanence, je peux l'écouter quand je veux. Bien, alors faites-le. Vous êtes bien chez Gabriel Dressler, laissez-moi un message après le bip sonore, je vous remercie. Ici, Monsieur Bruns, j'espère que je ne vous gêne pas dans vos études, mais si vous arrivez à vous séparer de vos livres, je vous attends. J'ai besoin de vous. Bien, vous allez vous rendre chez lui, et en arrivant, vous lui direz que vous avez réfléchi et que vous laissez tomber. Mademoiselle Dressler, la prochaine fois, prenez une clé. J'ai passé la matinée à me balader d'une pièce à l'autre. J'avais l'air d'un idiot. J'ai même cassé des verres. Ils étaient dans la cuisine et je les ai fait tomber. Je vais remettre de l'ordre.
J'imaginais ma nouvelle vie sans vraiment faire de projet. Oui, je m'étais contenté de la rêver. Mais maintenant, je vois que j'en rencontre des problèmes. Savez-vous comment je prenais ma nourriture jusqu'à présent? Par un guichet dans une porte. Je suis sûr que Derek a dû vous le raconter. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, si Bruns vous dit sans détour que vous êtes policier, vous devez lui dire la vérité. Ne lui mentez pas. Et ensuite, prenez congé de lui. J'ai tout de suite eu l'impression que vous saviez tout. Et j'avais raison. Vous avez pu constater que je n'avais pas peur de vous toucher. Vous nous faites du café ? Il vous a raconté toute l'histoire ? Oui. Alors, il a dû vous parler du meurtre et de l'appel anonyme. Alors, je vais vous dire mon nom. Bruns, Lothar Bruns. Je connaissais déjà votre nom. Alors, pourquoi vous a-t-il envoyé ici ? Que veut-il savoir ? Comment vous allez ? Ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites ? Et vous avez déjà pu répondre à une de ces questions ? Non. Pourquoi avez-vous accepté la mission? C'est très important pour vous. Pour moi, rien n'est important, souvenez-vous-en. Je dirais que vous êtes un objet qui excite ma curiosité. C'est ce que vous êtes pour moi aussi. Alors deux curiosités viennent de se rencontrer. Allons au jardin. Vous savez, on rêve beaucoup dans une cellule. Dans mes rêves, il y avait toujours un arbre au milieu d'un très grand jardin. Je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez rentrer. Je vais rester ici et regarder les arbres. Dites à Derek que j'aimerais vous garder encore un peu. Vous n'avez pas répondu à toutes les questions. Je vous aiderai à trouver les réponses. Stéphane, tu peux venir ? Gabriel au téléphone. Merci. Oui ? Monsieur Derek, j'ai accepté la place. Je ne resterai que quelques jours. Par la suite, Monsieur Bruns trouvera une autre solution. Alors, je pense que vous devriez lui dire que c'est moi qui vous ai envoyé chez lui. Il le sait déjà. Ah. C'est vous qui le lui avez dit? Non, il le savait. Gabriel, il faut que je vous parle très rapidement. Monsieur Bruns m'a demandé de le conduire. Nous allons partir tout de suite. Je vous rappellerai plus tard. Tu penses qu'on doit s'inquiéter? Non. Non, non. Allons-y. Vous pourriez peut-être me dire où vous voulez aller? Je n'en ai aucune idée. Quelque part, vous n'avez qu'à rouler tout droit. Vous n'avez pas faim?
Comme vous le voyez, je me débrouille encore très bien, n'est-ce pas? À table, par exemple. Je sais encore tenir une fourchette. Je me souviens toujours des bonnes manières. Et pourtant, j'ai beaucoup de mal à prendre les aliments. Je n'arrive pas à les voir. Je ne sais pas ce que je mange. J'espère que c'est à votre goût. Oui, oui, c'est très bon. Ma petite Gabrielle, écoutez bien ceci. Je ne sais pas combien de temps vous mettrez à le découvrir. Mais lorsque vous aurez une réponse à la question suivante, à qui ai-je affaire, s'il vous plaît, dites-le-moi. Parce que moi-même, je ne sais pas qui je suis. Je connais cet endroit. Je me suis souvent baigné dans cette rivière. Que ce caillou est marbré. Oui, il est très joli. Vous pouvez me le donner? Je dois aller à une adresse. Attendez-moi ici. Monsieur Coopers? Non, monsieur Coopers, c'est là-bas. Monsieur Coopers? Oui. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai une commission à vous faire. Je dois vous saluer de la part de votre fils. Vous le connaissez? Nous étions dans la même cellule. Il m'a dit que vous m'aideriez. Et il m'a donné cette petite lettre pour vous. Suivez-moi. Vous avez quelque chose aux yeux? Oui. Pourquoi voulez-vous un pistolet si vous n'y voyez rien? Oh, de toute façon, ça ne me regarde pas. Est-ce que je peux vous aider? Non. Bonjour, monsieur Derrick. Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez un télégramme pour moi? Ah, vous connaissez des personnes qui pourraient vous envoyer un télégramme? Oui, quelques-unes. Alors maintenant, vous vous retrouvez devant vos deux employeurs. Vous venez la chercher? J'aurais dû y penser. Je vais être perdu sans elle. S'il vous plaît, dites-lui que sans vous, je me serais noyé dans l'Isard. Mais je vous en prie, entrez. Ouvrez la porte. Ce n'est pas que je ne trouve pas le trou de la serrure, mais parfois ça prend du temps, alors je me mets en colère et je n'ai plus envie d'ouvrir la porte, mais plutôt envie de la défoncer. Oui, je vous comprends tout à fait. Venez, allons-y. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous amène? J'aimerais parler seul à seul quelques instants avec Gabriel. Oui, je le comprends très bien.
Alors je vais dans le jardin. Merci. Il vient de me dire que, sans vous, il était perdu. Non, il exagère un peu. Mais j'ai peut-être une certaine importance pour lui. Simplement parce que je ne fais pas partie de son histoire. Vous ne faites pas partie de son histoire. Vous, vous en faites partie, mais pas moi. Où l'avez-vous amené? On a erré sans but pendant quelque temps. Ensuite, il a voulu qu'on aille déjeuner et il est allé se promener au bord de l'Isard. De quoi vous a-t-il parlé? Il a dit ce qu'il avait envie de dire. Il a parlé de choses sans intérêt. Et ensuite? Est-ce qu'il est allé rendre visite à quelqu'un? Il m'a demandé de le conduire devant un garage et d'attendre. Il est descendu de voiture et il a discuté avec quelqu'un, sans doute le propriétaire du garage. Oui. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce garage, vous le savez? Il m'a dit ceci. Derrick va sûrement vous demander où nous sommes allés. Alors répondez-lui que nous sommes allés dans un garage... parce que j'ai envie de m'acheter une voiture, une occasion. Je n'ai pas assez d'argent pour en acheter une neuve. Et ensuite, il m'a dit aussi, le dernier passage sera sûrement important pour lui. Oui. Oui, il ne pense qu'au meurtre depuis des années. Écoutez, votre mission s'achève là, j'aimerais vous emmener. Vous voulez rester encore, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais... j'aimerais rester encore un peu. Je vous assure que je ne sais pas pourquoi. Seulement, c'est très important pour moi. Oui, mais moi, je suis responsable de votre personne. Vous savez, je ressens exactement la même chose à l'égard de cet homme. Laissez-moi ici, s'il vous plaît. Elle veut rester chez lui. Oui, elle veut rester chez lui. Bruns lui a demandé de rester quelque temps, alors elle a accepté. Tu sais pourquoi il fait ça? Non, Harry, je n'en ai pas la moindre idée. Il ne le sait peut-être pas lui-même. Allô, qui est à l'appareil? Quel nom, dites-vous? Je ne sais pas s'il est à la maison. Un instant, je vais aller voir. Un certain monsieur Bruns. Bruns? Bruns, Bruns. Quel Bruns? Lothar Bruns. Il dit qu'il est une de vos vieilles connaissances. Vous devez faire erreur. Qui est à l'appareil? Allô, Karel? J'ai entendu ce que tu viens de dire à la personne qui m'a répondu à l'instant. Vous devez faire erreur. Elle ne s'est pas trompée, c'est bien moi. Tu ne reconnais pas ma voix? Laissez-moi seul un instant. D'où m'appelles-tu? On vient de me libérer. Bond s'est sorti. Je sais, je viens de l'apprendre et je venais te le dire. Comment tu l'as appris? Par Coopers. Je n'entends plus rien. Allô? Oui, je suis toujours là. Je viens de parler à Malke à l'instant. Il te passe le bonjour. Merci. Où est-ce qu'on peut te joindre? On devrait se rencontrer pour discuter un peu. Oui, j'aimerais bien, moi aussi. De toute façon, j'ai votre adresse. Je vous recontacterai très rapidement. Je fais comme la police. Je tire d'abord un coup de semonce. Je ne fais qu'obéir à la loi. Coopers m'a dit que Bruns lui avait demandé une arme. Alors il la lui a donnée. Mais ce qui est le plus curieux, c'est qu'il a demandé à Coopers de nous prévenir qu'il lui a remis l'arme en question. Nous devons découvrir très vite où il habite. Vous rentrez chez vous maintenant? Enfin, peut-être pas directement chez vous. Vous devez d'abord passer au bureau, faire votre rapport à Derrick. Mais qu'allez-vous lui dire à mon sujet? Qu'est-ce que je suis pour vous? Non, non, ne répondez pas tout de suite. Je n'ai pas envie d'entendre une fausse réponse. Tout ce que vous pensez à mon sujet est certainement faux. Alors, quand vous verrez Derrick, contentez-vous de lui dire « Il a téléphoné au frère Labec. » À demain.
Un instant. Bonsoir, monsieur Derrick. Bonsoir, monsieur Brown. Je suis toujours aussi peu doué pour ouvrir cette porte. Oui, oui, je comprends. J'ai pensé à vous. Et vous avez pensé à moi. Veuillez entrer. Merci. Votre mademoiselle Dressler s'est merveilleusement bien occupée de moi. J'ai à manger et à boire. Mais je ne peux pas vous servir, j'ai du mal à le faire. Veuillez m'excuser. Je n'ai besoin de rien, merci. Alors, je vous écoute. Je vous connais et vous me connaissez. Cela nous autorise à nous parler franchement. Oui, allons-y. Comment comptez-vous faire? Je réfléchis encore. Pour le moment, je me contente de l'imaginer. Cela me fait beaucoup de bien. Avez-vous quelque chose à me raconter? Je vois d'ici que vous avez mis un pistolet dans votre poche. Comment allez-vous tirer, monsieur Bruns? On ne peut atteindre une cible que lorsqu'on a la possibilité de la viser. Je suis moi-même très curieux. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'ils arrivent dès qu'ils sauront où j'habite. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Excusez-moi, mais je ne vous raccompagne pas. Non, c'est bon, je connais le chemin. Et soyez prudent, monsieur Bruns. Monsieur Bruns? Vous arrivez en retard ce matin. J'ai préparé mon petit déjeuner tout seul. Comment soigne-t-on les brûlures? Pourquoi? Vous êtes blessé? Ah, laissez tomber. Alors, pourquoi êtes-vous en retard? Je vous ai apporté quelque chose. Vous êtes allé plonger dans l'Isard? Naturellement, ce n'est pas la même pierre, mais elle est aussi jolie. Pourquoi m'apportez-vous cette pierre aujourd'hui? Parce qu'elle vous avait plu. C'est une œuvre d'art. Il est possible que chaque homme soit aussi une œuvre d'art, enfin, plus ou moins. Il y en a qui n'ont aucune chance face à cette magnifique pierre. Vous pouvez compter sur moi, oui, je vais m'en occuper. Stéphane. Oui? Quelqu'un a appelé l'administration pénitentiaire pour se renseigner sur l'adresse de Bruns. Les frères Labeck. Ils savent maintenant où il habite. Où sont-ils? Aucune idée. Alors nous devons les faire rechercher. Gabrielle est partie se promener avec Bruns. Elle est peut-être en danger. Nous devons intervenir très rapidement. Parce qu'il va se balader maintenant. Arrêtez-vous. Attendez un moment, je veux voir ce coucher de soleil. C'est une pure merveille. C'est incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne savais même pas que c'était aussi joli. Thank you.
Merci, vous pouvez entrer chez vous. Vous n'avez besoin de rien? Non. Est-ce que je dois garder les clés? Oui, vous pouvez les garder. Bien, bonne nuit. Oui. Je peux vous dire qu'il était d'une humeur inhabituelle. Il était presque déprimé. Quand on est rentré de promenade, il n'a pas dit un mot. On n'a toujours pas retrouvé les frères Labeck. Attendez une minute. Il ne décroche pas. Harry, viens. Nous allons chez lui, venez. Isard 1 à Isard 2, nous nous rendons chez Bruns. Police, jetez vos armes. Appelez une ambulance. Eric, je ne vois plus rien. Est-ce que ça vous ennuie si je vous dis que je sais que vous êtes là? J'ai encore une petite question à vous poser, Monsieur Bruns. Je m'étonne que vous ne l'ayez pas encore posée. Allez-y, je vous écoute. Vous saviez qu'ils allaient venir. Vous les attendiez, n'est-ce pas? Et pourtant, vous n'étiez pas armé. Nous avons retrouvé votre pistolet. Vous aviez mis ce pistolet au fond d'un tiroir. Pourquoi? J'en avais un? Oui, naturellement, vous en aviez un. J'ai décidé de m'en séparer. Lorsque j'ai vu le coucher de soleil hier soir en me promenant. Pour moi, c'était un grand moment. Et j'avais ce pistolet dans ma poche. Alors soudain, j'ai réalisé que cela n'allait pas ensemble.